Go. Hey, salut tout le monde, Break 237. Nice, hein? Donc, plein, comme d'habitude. C'est un beau en plus avec la Ingrain. Hier, qu'est-ce qu'on a eu dans la Ingrain? On a eu la petite Wayne Gretzky. Je pense que je l'ai en ma possession. Je vais vous la montrer, elle vaut la peine, là. La Wayne signée dans la Ingrain. C'est la deuxième qu'on sort, là. Puis en plus, il est là ce soir, le gars qui l'a gagné. C'est Monsieur Petit Jean-Philippe. Fait qu'on va commencer à break. On va commencer à randomiser ça. J'espère que tout le monde a passé une belle journée. 10 fois, on doit brasser la soupe. Et on y va. Là, ils me disent que je peux pas pour quelle bonne raison. Là, je peux. Je peux. Je peux. Si je peux, je peux, je peux. Donc, on y va. Toujours avec ma partner. On va-tu m'appeler? Ah, hello! Ma chicks, ici. Ma copine. Le Ça dernier gars a volé mon spot. Donc, il ne l'a pas volé. C'est impossible à voler. Il était plus rapide, c'est différent. Ensuite, on y va, let's go. Et on y va, donc. On va placer ça, on va vous dire qui c'est qui c'est que quoi. Donc, David vient avec les Bruins, Geoffrey Marcotte, les Sabres, la Caroline à J.J. Perron, Phil Grenier, les Hawks, Alex Goupil, l'Avalanche, Yannick Latraverse, je trouve un nouveau salut, donc Blue Jackets de Columbus. Ensuite, on a notre ami Dallas, Maxime Blouin. Donc, s'il est marqué 1, Maxime sait ce que ça veut dire. C'est parce qu'on a deux Maxime Blouin, puis on ne veut pas les mélanger. Ensuite, Sylvain Tremblay, les Red Wings, Edmonton Oilers, JP Moreau, David Lebrun, les Panthers, les Kings, Carl Donnet. Est-ce qu'on va avoir une petite Wayne encore signée? Peut-être, peut-être. Ensuite, on a Montréal, Simon Doré, Sonny Dubé qui se retrouve avec les Prédateurs. Denis CC se retrouve avec Jack Hughes, peut-être dans la série 1 qu'on a en ce moment. Donc, il pourrait se retrouver avec une petite Jack Hughes. Parce que les Devils. Ensuite, Kevin Ousignal, les Islanders, les Rangers à Maxime Blouin. Donc, qui est pris deux spots. JP Petit, les Sénateurs, Philadelphie, Tommy Gagnon, Alexandre Dany, les Pingouins, les Blues, Mickaël Vigneault. LP Leblanc se retrouve avec les Lightning Tampa Bay, les Maple Leafs, Alexandre Brabant. Qu'on salue, lui aussi nouveau. Ou c'est un des deux, c'est la deuxième commande. Ça fait que moi je les vois, fait que je vais les saluer. Ensuite, Kimi Desgranges se retrouve avec les Canucks, Samuel Jacome, les Capitals, les Knights. À Tommy Gagnon, les Jets Coyotes, à Sylvain Tremblay, le Wild Ducks, à Éric Leblanc et San Jose Calgary, à Denis CC. Donc, Denis qui se retrouve avec trois équipes, Calgary, San Jose et les Devils. Donc, on va aller dans le live scene tout de suite. Pour commencer ça, on va mettre le défilement. Et on va le mettre. Ok, donc là, vous voyez, j'ai changé l'écriture un peu. Peut-être un peu plus clair. Et là, je vais juste tasser ça ici. Non. Comme ça. Et voilà. Le dernier acheteur, c'était Sylvain Tremblay, puis il y avait deux spots. Fait qu'il se retrouve avec Détroit et avec les Coyotes Jets. Puis c'est ça. Ok, donc on y va. Bonne chance à tous. J'enlève mon clavier. Et on va commencer ça tout de suite. La game du Canadien, je pense en plus. Je pense que le Canadien joue contre Calgary en plus. Là, je sais pas si c'est live. Samedi soir. Donc, il est revenu. On va commencer avec la série 1, après ça l'artefact, et on va terminer avec la Ingrain. Ensuite, j'aimerais ça en partir un autre. Mais là, le problème, c'est que je suis limité en boîte. Puis c'est parce que si j'en pars un, j'aimerais ça le faire ce soir. T'sais. Puis je sais que s'il se close à minuit, je pourrais pas le faire parce que je vais dormir. Puis toutes les combinaisons que je fais pour que ce soit un break agréable donnent au-dessus de 40$. Fait que je vais le sortir. Puis si vous voulez qu'on break, ben on va breaker. Ça va être à vous de décider, mais ça va peut-être aller à demain, là, parce que je veux mettre une chrono, je veux mettre une série 2 de l'année passée, je veux mettre une SP de l'année passée. J'aimerais ça faire de quoi de sharp, là, tu vois, qui va dépasser ce qu'on fait là. Ensuite, c'est sûr qu'après cette vidéo-là, moi, je vais aller randomiser la liste pour le break de lutte de demain. Et puis, peut-être qu'au cours de la soirée, je vais sortir des minis qui vont être bons. Des minis pour
Le super gros break de football. Donc, il va y avoir deux spots de disponibles. Fait qu'on va faire deux mini. Ça va être des mini à 35$ le spot parce que le spot vaut 350$ pour le break du Super Bowl. C'est des méga boîtes. Donc, on a voulu faire un gros événement. Puis en plus, il y en a deux là-dedans qui vont gagner une pizza. Le jeu du Super Bowl livré chez eux. Fait que ça, ça va être le fun. Puis, on va commencer ça. Mais c'est ça, là, Fred Gagnon-Gignac, ça serait. Ça serait 2, 3. Ça serait 4 boîtes, là, que je voudrais mettre dans le prochain. 4 boîtes. Et on va commencer ça. Donc, la série. La série 1, 18, 19. Le problème, c'est que la liste des prix des boîtes sont à boutique. Puis celle-là, je la connais pas. Fait que je vais regarder. J'en ai une, le 18, 19. Fait que je pourrais la mettre. Là. Mais bon, si vous me dites, là, je vais en sortir un. Puis au pire, il se remplira. Une canvas pour commencer. Pour les Red Wings de Détroit et Sylvain Tremblay. Donc, une canvas de Tyler Bertuzzi. Ben c'est ça, il y aurait peut-être une synergie dedans, là, juste pour compléter une petite boîte 20-21. Claude Giroux, Flyers. Ben ça serait des grosses boîtes, mais là ça serait comme un agrément. Au pire, je mettrais une... Ah, je pourrais mettre à la place de la synergie, je pourrais mettre une tin de cette année. Là. Donc, une Shooting Star Austin Matthews pour les Maple Leafs de Toronto. Donc, premier insert pour Alex Brabant avec nous. En tout cas, dans ce break-là, je me souviens plus c'est lequel des deux que c'est sa première commande. Là. Et c'est ça. Donc, parce que là, moi, après ça, c'est sûr que dans le prochain break, il n'y a pas d'artefact, puis il n'y en aura pas de la soirée, parce que ce qui reste est à boutique. Donc, j'ai pas accès à ça, puis c'est ça. Fait que ce serait... Parce qu'il me reste une chrono, puis je voulais pas mettre la chrono et l'artefact ensemble. Mais on a une petite Wayne ici, Los Angeles, une petite Wayne Update. Donc c'est peut-être qui se demande s'il y a un petit break après. Oui, il va en avoir un. Il va en avoir un, mais il faut le closer avant que j'aille me coucher. Fait que ça va être un pas pire en plus. Une Jack Eichel pour les Sabres de Buffalo. Et là, je vais juste diminuer ça ici pour le mettre en 9. Pour pouvoir, parce que j'aime ça dire les noms des gars. Donc Jeffrey Marcotte, Buffalo. Non, c'est pas le même prix, la synergie. Puis la. Tu sais que Zach Zinichin ici, la première à Young Gun. Ça va, David Vien. Donc, malheureusement, lui, il est rendu des mineurs. S'est fait retourner au début de l'année. Ensuite. Oui, c'est vrai qu'il faut que je la garde, celle-là. Parce que c'est une Young Gun. Une chance, t'es là. Une chance que t'es là. Ouais, mais c'est ça. Ça, tu pourrais le faire, puis tu pourrais les mettre. Et après ça, je pourrais les mettre. Comme ça, c'est... Oui. Travail d'équipe ici, là. Travail d'équipe ici. Une UD Canvas, Ryan Getzlav. Pour les Ducks d'Anaheim. Première pour les Ducks. Et Eric Leblanc. Ça se pourrait éventuellement, là, parce que... Et on a une deuxième Young Gun pour les... Le Détroit. Red Wing. Une Taro Arruzzi. Et là, je vais placer notre premier Young Gun qu'on avait tout à l'heure. Donc, Taro Arruzzi pour Détroit et Sylvain Tremblay. Une énergie Alexander Barkov pour les la Floride. Et j'allais passer... Oh my God! J'allais passer cette carte-là. Est-ce que vous l'avez vue? Oh my God, elle est restée collée en dessous de la Taro Arruzzi. Ma blonde me dit, il y a une autre carte en dessous. Oh my God. Oh my God, c'est une très belle carte. Et là, je le sais, la personne qui l'a va être contente. Et on parle d'une Tyler Toffoli UD Exclusive sur 100. La 35e sur 100. Et là, 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 là. Donc... Les UD exclusives ont tendance justement à se cacher en dessous de d'autres cartes. Elles étaient collées. Donc, et là là. Donc, ouh! Belle petite carte ici pour notre chum Carl Donner. Hein? C'est lui qui est à Los Angeles. Ouh! Donc, le meilleur pointeur du Canadien actuel.
Une belle petite UD exclusive. Ok, et là on va mettre la petite tableau arrows ici. Et ils disent beau travail, mademoiselle. Et ça, c'était merci. Juste ça, c'est des bases, hein? Oui. Okay. Et voilà, donc on y va. Et notre troisième Young Gun, c'est une Corner Timmins. Il me semble honnêtement, pour vrai, là, puis je trouve ça plate, là, j'en break tellement que là, je peux confirmer, là, il y a un pattern tout le temps avec les mêmes joueurs qui arrivent tout le temps des mêmes Young Guns. Fait que là, j'ai l'impression que... Je sais pas si on va avoir une méga Young Gun dans celle-là. C'est comme je les vois souvent eux autres. Et une petite Ryan McDonough UD Portrait pour le Tampa Bay Lightning. Alexandre Dany, oui, Carl Donnet, là, il était tantôt il était content, il met du feu. Il met des feux. Timo Meyer, Next Generation, pour les Sharks de San Jose. Et Dany, Cardinal, Charbonneau. On a fait la moitié de la série 1. On a 3 Young Guns et une UD exclusive de Tyler Toffoli. En ce moment, que sa valeur est fou, là. T'sais, après son tour du chapeau, Chris Rochon, je sais pas si vous le connaissez. Ben, c'est un client. C'est un ami à moi qui s'est acheté Tyler Toffoli Young Gun. Et là, il a fini par l'échanger contre une Young Gun. Un autre bon joueur, plus 100$. Fait que finalement, il a fait du beau profit. Là. Mikael Granlund ici. UD Portrait pour le Wild du mini, Le Nashville, excusez-moi. Sonny Dubé. Je me souviens plus c'est qui le gars, mais c'est une... Ouais, on a! Nice one! Et là, on va devoir faire un petit tirage entre Denis Cardinal et Monsieur Kimi Desgranges. Donc, la checklist Young Gun des frères Hughes. Nice one, ça ici. Et on peut la mettre, on va la mettre. Un petit peu de beat, là. Pour un beau petit hit ici. Et là, on va tasser les paquets. Je vais les placer ici. Je vais pouvoir m'installer un petit podium, comme d'habitude. Et voilà. Ok, donc, on va aller voir. Une Dylan Larkin Energy pour le Détroit. Et Sylvain Tremblay. Et le reste, ce sont que des bases. T'as eu la Henderson à 5$, Young Gun, tabarouette. Ok. Ben, la Toffoli, Alex, c'est que je trouvais que... c'est que je trouvais qu'elle méritait plus un... Tu sais, c'est pas de la monnaie, là. C'est plus que ça, là. Fait que... Et on a une petite Carson. Travinsky ici pour le Philadelphie. J'aime ça dire le avant la ville. Là. Le Buffalo, le Boston, le Philadelphie. Et là, j'oublie le travail d'équipe. Fait que... T'as l'habitude de travailler tout seul, aussi. Et demain, le break de la WWE. Oui, et tout à l'heure, je vais faire un live. Quinn Hughes, UD Portrait Rookie pour Vancouver. Et faire un live pour moi. Dire quelle entrée vous allez avoir. Donc, manquez pas ça. Petite Connor McDavid ici pour Edmonton Update. JP Moreau. Petite update ici. En fait, c'est pas demain le break de la WWE, c'est lundi. Parce que demain, ça va déterminer ça va être quoi votre position dans le break. Donc, en passant, ça va savoir si oui ou non vous allez avoir une carte. Parce que c'est les 15 premiers qui vont avoir une carte. Donc, vous allez avoir une entrée, un lutteur qui vous est assigné ce soir. Un lutteur mystère parce qu'on sait pas c'est qui l'entrée 18. Fait que c'est le numéro 18. Demain, tu vas le savoir. Et s'il réussit à finir dans le top 15, eh bien, t'es assuré d'avoir une carte. Petite checklist ici. Il y en a... Ouh! Regarde, on va la mettre, là. On n'aura pas le choix de la remettre tout le temps, là. Une Young Gun UD Canvas Cal McCarr pour le Colorado et Alexandre Goupil. Et là, c'est une très belle boîte, ça.
Young Gun défraie Hughes, une UD exclusive de Tyler Toffoli et une canvas de Makar. Ouf! Oup, oup. Mets la monnaie dans ma main. Ok. Et on continue ça. Donc ça augure bien. Belle petite boîte, celle-là. Là. Belle petite boîte. Une Energy Seed the Kid pour le pingouin. Et on va continuer avec une petite. On est rendu à combien de Young Guns? Je vais les compter, là, juste pour être certain. On est à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en manquerait. Ah oh, non, on est à 6. Non, on est à 5. Ah, il nous en manquerait une encore. Donc, tant mieux ici. Et on a une petite Brent Seabrook. Nice, un jersey deux couleurs. Donc, c'est probablement la manche ou le bas du chandail ici. Pour Brent Seabrook Chicago, un morceau porté lors d'un match. Donc, un chandail pendant ce match. Il manque toujours une Young Gun. Et je vais aller voir quelque chose. Laissez-moi un instant. Ok, on continue, désolé. Et notre dernière Young Gun, c'est une Joël L'Espérance pour les Stars de Dallas et Maxime Blouin. Une checklist, et là, c'est ça. Donc, pas mal sûr que c'est ce qui va mettre fin à notre... Hey, je sais pas pourquoi j'ai ouvert 4 paquets, m'en ai ou juste un seul. Et là, il nous reste seulement 2 paquets. J'ai même l'impression que ça aurait été la dernière Young Gun qu'on va avoir, mais on peut être surpris. Let's go. Une Next Generation Rasmus Dahlin. Donc lui qui se retrouve dans ses rien que Marianne a envie d'ouvrir, la 18-19. Et Elias Peterson aussi se retrouve dedans. Donc... Et notre dernière, ça va être une UD Portrait de Henrik Lundqvist, lui qui vient de prendre sa retraite. Base, base, base. Ok, donc le reste, ce sont que des bases. Et là, on va ouvrir notre artefact. Et là, les équipes à surveiller ont changé. Donc là, on est passé des recrues 19-20. On passe aux recrues 20-21. Donc Nashville. Donc, Nashville à surveiller. Sonny Dubé. Ensuite, on a aussi... Ben, pour les Rookie Redemption, c'est sûr que Nashville est à surveiller. Canadien aussi. Ottawa. Mais sinon, là, j'ai vu que tantôt, notre ami Hugo avait sorti une petite Lafrenière. Mais on n'a toujours pas sorti de Lafrenière signée. Là. Il va falloir qu'on en ait une. On en a une! On en a une! Dans notre boîte. Je vais mélanger les paquets tout le temps. Donc... on en a eu une dans la synergie, mais on n'a toujours pas de signature jusqu'à présent dans l'artefact. Qui que les Rangers? Maxime Blouin. Et là, la carte qui semble coller. Et c'est une rookie, justement, genre de voir Joe Thornton. Base. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a une Timothy Lilgren ici, la rookie. Sur 999 artefacts, la 867e pour Toronto. Alexandre Brabant. Donc, ta première rookie avec nous. Tantôt, la petite insert est là. Ta première rookie avec nous. Une petite Nick Schwartz base. Chez Weber, Matt Duchesne. Et on a une Marc-André Fleury Flower pour les Golden Knights de Vegas. Donc, Tommy Gagnon. Et non, on voudrait un auto-patch.
Mais là, on a une patch, ça c'est sûr. Fait que je vais la placer de côté. Vous me connaissez, j'aime bien faire attendre et faire le suspense, là, garder le suspense jusqu'à la fin. Donc, regardez, je vais la mettre pour que vous puissiez quand même la voir. Là. C'est le paquet qui est là, ça bougera pas. Il y a là-dedans le petit jersey. On a un petit jersey, on avait une base de Godzilla. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a de Matt Murray? On a une corner McDavid Orum. Belle pièce pour notre ami JP Moreau. Une petite corner. Donc là, c'est important de pas gratter à part si tu désires vraiment avoir la collection complète sur Internet. Là, si tu as fait au complet, là, puis tu as l'intention de la finir parce que il y a des gens qui vont payer pour l'avoir. Là. Donc le petit code en arrière. Fait que si tu le grattes après ça. Malheureusement, perd un peu de sa valeur. Petit corner ici. Et là, jusqu'à présent, on n'a pas eu de Redemption. On a eu une Aurum. On n'a pas eu de Jersey. Et là, ça augure bien. Une Pat LaFontaine pour les Islanders de New York. Donc lui qui a débuté sa carrière avec les Islanders. Connu plutôt pour ensuite avec Buffalo. Ils sont Pat LaFontaine. Buffalo, pas Buffalo, Islanders. Kevin Nousignan, belle carte ça. Base. Et je pense que là-dedans, on va avoir la Redemption. Et oui, donc une Rookie Relic Redemption Gold Jersey. Jersey. Donc, nice one ici. Donc, elle sera pas signée, par exemple. Mais Rookie Relic, donc ça peut être Gold en plus. Ça peut être un bon petit choix. On va la faire tirer à la fin. Donc là, on nous promettait une Redemption Rookie, donc on l'a eu, plus trois trucs. Donc, on a une Aurum, on a une Patch. Et là, je pense qu'on va avoir une autre Aurum. Et c'est une Ryan Suter pour le Wild du Minnesota et Éric Leblanc. Et là, notre dernier paquet avant de passer à notre gros, à notre patch. Et là, est-ce qu'on va avoir une petite surprise? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu beaucoup de cartes base numérotées. Hein. Je pense que ça, c'en est une. C'est une rookie en plus. On va aller voir. Ouh! Les Rangers de New York qui reçoivent une petite Lafrenière rookie! Et voilà! Et voilà. Et ça mérite qu'on la mette là, la petite John Cena. Ça fait longtemps qu'on l'a pas mis. Pim, 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 pim. Et ça, c'est sûr, ça s'en va sur le podium. Sur le podium à la place de McCore. Et voilà. Et on va déplacer McCore. On va le placer ici. Et la checklist, on va la garder pour tantôt. Et voilà, 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 voilà. Donc lui qui a marqué un superbe but, on s'entend, un superbe but en prolongation. Et là, je vais prendre une petite gorgée. Mais là, on va regarder. Oh! Oh my God! Oh my God! Et tellement mescotte, là. Oh mon Dieu! J'aime mieux te la montrer tout de suite, là. Mais regarde comment que en bas, puis là, c'est pas égal, puis regarde comment qu'elle est tout croche. Oh my God! Je vais garder la boîte. La boîte, je pense que je l'ai jetée. Je vais regarder ce que je peux faire avec ça. La boîte est ici, là. Donc, je vais regarder ce que je peux faire. Maxime Blouin. Tabarouette, hein? Regardez la différence entre les deux, là.
Là, on dirait qu'elle est gigantesque, l'autre, comparé à... Oh my god, ok. Donc, on va quand même la placer là parce que c'est une belle carte. Et là, on parle de 200 gros max. C'est déjà quand même pas pire, là. Donc, on va regarder. J'allais le rejeter. Si je vais regarder ça de côté. Je vais regarder si on peut faire quelque chose, tu sais, pour vrai. Pour toi, mon ami. Fait que... J'aime mieux t'avertir tout de suite, là. Donc, Jason Wright qui dit qu'ils sont toutes comme ça. J'en ai vu une dizaine. Donc, est-ce que ça va faire en sorte que les cartes. Est-ce que ça va être pris en considération s'ils sont toutes comme ça, là? Ok, donc, on va aller voir la prochaine. Et c'est une Jersey sur 15 seulement pour les Prédateurs de Nashville. Là, une très belle carte, là. Je recherche chez qui Nashville. Sonny Dubé, Jersey Matt Duchene sur 15, la 9e. Et ça mérite un petit peu de. On va la mettre. Et voilà, on la met parce qu'on aime ça. Bien sûr. Et voilà. Ok, donc ça rentre dans le 180, ça ici. On est rendu à la Engrain. Mais là, je suis satisfait à date des deux boîtes qu'on a eues. Très satisfaisant. Donc, est-ce que Matt Duchene, je pense qu'il va, il va dépasser ici, Monsieur Toffoli. Mais je vais quand même le garder parce que c'est une très belle pièce. Donc, c'est ben c'est les bas. Je suis persuadé que c'est les bas d'hockey pour de vrai. Là. Donc, ça ressemble vraiment à ça. Fait que, ou du jackstrap. Donc, Ingrain 18-19. Et là, on s'en va vers d'autres équipes. Les rookies, hein. Mais qu'est-ce qui est le fun dans Ingrain? C'est qu'on peut avoir les légendes. C'est là-dedans qu'on a eu Wayne. C'est là-dedans qu'on a eu aussi notre chum Gretzky. Notre chum Lemieux. Et là, on a quand même un papier sandwich là-dedans. Serré, serré. Donc, sandwich prend de la place dans le petit sac, là. Ok. Fait que là, on va l'ouvrir. Là, moi, je vais tasser ça ici. Je vais garder ça. Et là-dedans, on a de la pièce. On a deux revenants, en tout cas. Jusqu'à présent, à chaque fois j'ai deux remnants, il n'y en avait aucune qui était signée. Fait que j'espère que ça va me faire mentir. On va aller voir notre premier rookie. Notre première carte base. C'est une David Pasternak pour le Bruins de pour le Boston. 281 sur 299 pour Boston. Ensuite, on va aller voir notre rookie. Ah, oh, je pensais que c'était. J'avais vu. Je pensais que c'était Elias. Mais c'est Andreas Johnsson, rookie 135, 299 pour Toronto. Donc, Alexandre Brabant. Donc, quand même, j'ai dit ton nom relativement souvent ce soir. Donc, cool. Ensuite, on va aller en dessous. On va aller voir peut-être notre autre rookie. Et c'est une Yusso. Yusso, Valimaki, rookie sur 60, sur 299, la 64e, Calgary. Denis, Cardinal, Charbonneau. Non, mais tous ceux-là sont comme ça. Fait que, c'est très. Je le mentionne maintenant quand ils sont pas maganés parce que c'est ça qui est plus surprenant. Fait que. Mais maganés. On parle ici Non, de. On parle de ça ici en bas, les. Les 18-19, là, le bas puis le haut, là, c'est tout décollé un petit peu du blanc tout le temps. Là. je mettais pas dans Ouais, c'est parfait. Ok, donc on va aller en dessous. On a une petite. Oh, on a une petite Victor Edsel. Edsel, le rookie pour Chicago. Donc la Silver sur 49, la 22e print pour Phil Grenier. Et là, ça prendrait. Et là. What's for the remnant? What's for the remnant? Okay. On va aller voir la première Remnant. Et c'est une Brian Trottier pour les Islanders de New York, la 99e sur 100. Pour les Islanders de New York, donc deuxième belle carte, les Islanders tout à l'heure, il me semble que. Oui, c'est ça, avec Pat LaFontaine. Et là, on a une petite Brian Trottier sur 100 avec le morceau de Sherwood Remnant. Islanders, Kevin Lousignan, super carte, Brian Trottier. On va aller voir notre autre Remnant. Je pense que je vais garder la signature shot pour la fin parce que on est assuré que c'est une signature. Malgré que là, j'ai pas eu d'autres signatures. Est-ce qu'on va voir
On va aller voir la signature shot juste pour être certain. Et oh my god! Une Vancouver! C'est qui Vancouver? C'est Kimi Desgranges. Une signature shot sur 25 de Elias Pettersson. La 13e au total. Ça, c'est toute une carte. Oh my god! Et boy. Wow. Quel bois jusqu'à présent. Jusqu'à présent, incroyable. Laissez-moi un instant. Deux secondes. Incroyable! Quand même, une carte à... C'est une belle carte, ça, ici, là. Sur 25 seulement. Wouh! Hey, quelle boîte! Quelle boîte! Et ça, c'est pas du 180, c'est du 200, ça. Du 200, Monsieur Pettersson, Elias Pettersson. Quand on ouvre du 18-19, c'est ça qu'on veut. Et là, Monsieur Lafrenière, on se tasse. On va tout virer, ça, de bord, ici. Et voilà. Et on va tasser ça. Ah, quel break! Quel break, mesdames, messieurs! Et la dernière une Remnant. Et là, on a seulement eu une signature. J'imagine qu'on va en avoir une deuxième. Et c'est une... Oh non, pas de signature. On s'en fout, on a la petite... On a une Steve Shot de Canadien de Montréal. Montréal, c'est Simon Doré sur 55. La 50... La 95e sur 100 pour le Montréal Canadien. Nice! One! Hey, quel beau break on a eu, là. Incroyable break. Dans chaque boîte, on a eu des beaux hits, des méga hits, je dirais même. Donc, OK. Donc, si je regarde ça. Maintenant, et que j'enlève les cartes et que je décidais de faire mon petit top, on va commencer. On va la faire tirer après. Donc, on va avoir. Donc, on a commencé avec une petite série 1. On a eu des belles cartes quand même. J'ai été surpris. On a eu des belles Young Guns. Une Joël L'Espérance. Une Tara Rosé. Une Zach Zenishin. Une Carson. Tarinski. Une Connor Timmins. On a même eu une petite checklist ici qu'on va faire tirer tout à l'heure avec la Rookie Relic. Pas la Rookie Badge. Je pense que c'est ça, la Gold. Bref, la Rookie Relic Redemption. Gold Jersey. La Young Gun des deux frères qu'on va faire tirer. En plus, on a eu une superbe carte, UD Exclusive, la 35e sur 100 de Tyler Toffoli. Hein? Ça aurait pu être dans ma mention spéciale. Ça. Ensuite, dans l'artefact, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la petite Matt Duchesne sur 15 seulement pour Sonny Dubé avec les bas, la 9e print. On a eu la Timothée Lilgren, rookie sur 999. Et la Aurum de Monsieur Connor McDavid. On a aussi eu la Aurum de Ryan Suter, je peux dire. Et ensuite, on a ouvert la Artefact, puis on avait une belle Pat Lafontaine pour les Islanders. Ensuite, on a ouvert la Ingrain. Et qu'est-ce qu'on avait eu dans la Ingrain? On a eu plusieurs bases. Plusieurs bases. Donc, deux rookies. Celle sur 49, la 22e pour Victor Hetzel. Ensuite, la Yusuf Valimaki pour les Flames rookies. La rookie, la troisième rookie, ben base, la Andreas Johnson sur 2,99, telle avec Pastrnak pour le Boston. Ensuite, on a eu une belle petite Steve Shot sur 100, la 95e au total. Ma mention spéciale va aller à Brian Trottier, donc la 99e sur 100 pour les Islanders de New York, mention spéciale. En troisième position, je place la Young Gun Canvas de Carl McCaw. En deuxième position, je place bien sûr la Alexis Lafrenière, la 384e sur 999. Et en première position, la Elias Pettersson sur 25 seulement, la 13e print. Et la. À bientôt les boys. On mange pas un autre break. Et c'est vrai, je dois faire tirer les deux affaires. On va aller sur le giveaway. Là, je vais pogner ça ici.
On va faire un new giveaway. Ok, donc on va marquer rookie gold jersey. Ouais. On va mettre les noms de tout le monde. On va ouvrir les dice. Et qui va emporter la petite carte Redemption? Et c'est Monsieur Denis Cardinal Charbonneau! Et puis en plus, Denis, tu vas faire partie de l'autre giveaway où on va décider entre Jack et donc New Jersey versus Vancouver. Fait que DCC, on va marquer Jack juste pour être sûr. Pour pas que je me trompe. Et on va marquer Quinn. Et là, est-ce que DCC va en remporter une deuxième carte? Donc, on roll les dice. Septième. Qui remporte la petite checklist Young Gun. Et ça va être Jack Hughes. Et c'est DCC, ça, si je me trompe pas. Oh my god, je suis en train de pas le montrer. Ok, bref, je vais vous montrer ça. Je vais changer le... Bref, vous pouvez venir voir le site, là. Donc là, la Jack Hughes est ici. Là, je vais aller voir nos giveaways. Là, je viens de le faire. Là. Venez, vous pouvez voir. On paye pour voir ça. Fait qu'on va aller voir nos giveaways qu'on vient de faire. J'ai fait la Rookie Gold Jersey à 8h46 et 10. Il est 8h47. On peut voir que la Round 1 sont toutes là. On a toutes brassées. Et la Final Round, finale, regardez, c'est marqué Denis Charbonneau. Puis, si je vais voir ensuite... Celui que je viens de faire, je vais refaire ça. Non, je vais mieux faire ça de même pour être sûr, c'est le chemin que je connais. Puis là, après, j'ai fait le New Jersey versus Vancouver, checklist Young Gun. Ici, on va voir, c'est